Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 29 mai 2019 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, réglementation de la gestion du parc des véhicules et autres équipements motorisés de l'État. Le décret régissant le parc automobile de l'État date de 1999. 20 ans après, des insuffisances notoires ont été relevées dans son application. Elles résultent de plusieurs causes, dont les principales tiennent de la non-observance des dispositions du test ou du manque de rigueur dans sa mise en œuvre. Dès lors, des dérives et abus de toutes sortes se sont multipliés au fil des années. Il s'agit notamment de l'utilisation fréquente de véhicules de fonction par des personnes non habilitées, de l'attribution indue et de la circulation injustifiée de véhicules de service, ainsi que de l'emploi abusif de conducteurs de véhicules administratifs. La relecture de ce décret est alors apparue nécessaire pour mettre fin à l'usage incontrôlé du matériel de l'État, affermir la responsabilisation des utilisateurs de véhicules de fonction afin de parvenir à la rationalisation de la gestion du patrimoine de l'État. Par ailleurs, l'emploi des conducteurs de véhicules administratifs sera entièrement revu. Ainsi, au terme de la nouvelle réglementation, ces véhicules sont conduits par leurs attributaires eux-mêmes ou par les chauffeurs personnels de ceux-ci. Toutefois, les véhicules de fonction des présidents des institutions constitutionnelles ou légales, des membres du gouvernement et les véhicules des membres du haut commandement militaire seront dotés de conducteurs de véhicules administratifs. Les autres conducteurs de véhicules feront l'objet d'un redéploiement dans d'autres structures administratives. Enfin, le présent décret élargit le champ de la réglementation aux engins à deux roues, groupes électrogènes, équipements de manutention et de travaux publics et autres équipements motorisés susceptibles d'être acquis ou loués par l'État. Adoption du projet de décret portant transmission à l'Assemblée nationale, du projet de loi portant code de l'électricité en République du Bénin. Le dit projet engage le processus de révision du code de 2007 et intervient dans le contexte d'une nouvelle dynamique consacrée par l'adhésion de notre pays à divers instruments internationaux du secteur de l'électricité. Il a également pour objectif de renforcer le rôle de l'autorité de régulation de l'électricité et de créer des conditions attractives au secteur privé en vue de favoriser notamment la production indépendante d'énergie. À cet effet, le projet impulse une nouvelle gouvernance des projets, une simplification des procédures de passation des conventions et diverses incitations de nature fiscale. Les ministres concernés accompliront les diligences nécessaires en vue de la transmission du dit projet à l'Assemblée nationale. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté les décrets fixant les modalités de désignation des représentants des diverses organisations au sein du Conseil économique et social, CES, de poursuite de la carrière hors hiérarchie par les magistrats, puis le décret portant mode de détermination de l'assiette du taux et des modalités de recouvrement de la redevance de régulation par l'autorité de régulation de l'électricité auprès des opérateurs du secteur de l'électricité au Bénin. Au titre des communications, contractualisation pour la conduite de la mission complète de maîtrise d'œuvre du projet d'aménagement de la corniche Est de Cotonou. Le gouvernement a prévu dans son programme d'action l'aménagement des berges de la lagune de Cotonou pour soutenir les nombreux chantiers ouverts dans le but de rendre plus attractif le cadre de vie de nos villes et améliorer ainsi le bien-être des populations. C'est dans ce cadre qu'il est retenu la mise en valeur d'un plan d'eau
ainsi que la modernisation du centre-ville et du quartier Akpakpa-Dodomé et la création d'un lac marin à PLM Alejo El Dorado Beach Club. Tous ces aménagements d'envergure sont destinés à réaliser sur ces berges des espaces de loisirs et de détente, tout en stimulant l'investissement privé. Ainsi, la vocation commerciale du vieux centre-ville sera confortée par un développement immobilier de très grand standing et une transformation du plan de circulation afin de l'adapter à ce nouveau paysage urbain. D'ores et déjà, les études d'exécution pour l'aménagement des berges du côté ouest de la lagune et la construction d'un boulevard lagunaire ont été conduites en 2017 et en 2018. Pour les compléter, il est pertinent de disposer de l'étude d'aménagement d'une voie de corniche sur la section est des berges. Le bureau d'études ACEP a été identifié à cette fin. La corniche est, proprement dite, s'étend sur un linéaire de 2,23 km décomposé en trois sections. Les travaux consistent principalement en une chaussée bidirectionnelle à deux voies de circulation, deux accotements dédiés aux deux roues, un trottoir abritant les ouvrages d'assainissement, une piste cyclable pour parcours de santé, un espace vert de largeur variable pour parcours sportif, un mur végétalisé et une voie de desserte entre le quartier Enagnon et la zone résidentielle. Transfert des infrastructures déployées dans le cadre du programme de renforcement des structures centrales de gouvernance à la Société béninoise d'infrastructures numériques. Ce programme a pour finalité d'instaurer une meilleure gestion de l'information au sein de l'administration publique et de contribuer à la mise en œuvre de sa dématérialisation pour la rendre plus intelligente à travers donc le programme SmartGov. Plus précisément, il vise à améliorer l'efficacité et la transparence de l'action publique à travers notamment la création d'un réseau informatique national performant et sécurisé pour le déploiement et les usages d'applications informatiques dans l'administration, la construction d'un centre de données, data center, national pour héberger le cœur du réseau informatique, les applications, les services, les sites web et les données des structures publiques. Les infrastructures déployées dans ce cadre font partie du patrimoine numérique de l'État et à ce titre, le Conseil des ministres a décidé de leur transfert à la Société béninoise des infrastructures numériques SA au fin d'une gestion optimale. Autorisation pour la conclusion d'une convention de concession et d'un contrat d'achat d'énergie relatif à la construction d'une centrale thermique de 25 MW. Le Conseil a marqué son accord pour la conclusion de la dite convention de concession avec la société Genesis Énergie. La réalisation de cette centrale a des conditions avantageuses pour notre pays, découle de la politique d'autonomie énergétique engagée par le gouvernement pour rendre disponible et permanente à court terme l'électricité de qualité. Il a par conséquent instruit les ministres concernés de prendre les dispositions appropriées pour faciliter le développement du projet de la centrale thermique à turbine dual fuel sur le site de Maria Gleta 1 en régime BOOT, entendez Build Own Operate and Transfer. Compte rendu de l'examen des rapports des inspections générales des ministères au titre de l'année 2018. Sur la période de janvier à décembre 2018, 197 rapports ont été produits par 16 ministères. Les insuffisances relevées concernent notamment les marchés publics, la gestion du matériel et du patrimoine de l'État, la performance des structures contrôlées, la gestion administrative, financière et comptable, la gestion des ressources humaines et la gouvernance administrative des dites structures. S'agissant des insuffisances liées à la gestion financière et comptable, elles ont mis en exergue des frais indûment perçus ou détournés, à savoir frais de mission et TVA notamment. À d'autres fins
et non recouvrés, ce qui constitue un manque à gagner considérable pour l'État. À cet effet, il convient de relever que certains inspecteurs, ayant compris l'importance de l'enjeu, ont œuvré pour le recouvrement de ces frais. Leurs diligences ont ainsi permis de récupérer plus d'1,3 milliard de francs CFA entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018. En dépit de ces efforts, le Conseil des ministres note que des progrès restent à faire pour assurer au plan financier notamment une gouvernance de qualité dans l'administration publique. C'est pourquoi le Conseil a instruit les ministres chargés de la Justice, du Travail et des Finances d'engager les poursuites disciplinaires et judiciaires appropriées à l'encontre des agents indélicats. Il sera mis sur pied un organe chargé du suivi de l'exécution des décisions prises par le Conseil des ministres à l'encontre des personnes mises en cause dans tous les cas de malversation. Par ailleurs, le ministre de l'Économie et des Finances est particulièrement instruit à l'effet de proscrire les pratiques telles que les préfinancements entre les structures, l'émission d'ordres de mission sans l'exécution effective de la mission, le paiement des dépenses non éligibles ou dont les pièces justificatives ne sont pas valables. Rappeler l'obligation de reversement systématique au Trésor public de la TVA collectée et organiser des séances de renforcement de capacité des inspecteurs généraux des ministères pour une harmonisation des pratiques en matière de recouvrement des fonds indûment perçus ou détournés. Compte rendu de la mise en œuvre des mesures découlant de la cession partielle de l'industrie du bois du Bénin IBB-SA. La cession de l'IBB-SA le 28 décembre 2009 a généré à l'entrée en vigueur de la convention irrelative quelques difficultés liées à la compensation des dettes et créances croisées entre l'ONAB et l'IBB-SA. Et la situation administrative des ex-agents de l'Office national du bois ONAB transféré à l'IBB-SA est resté tel quel. À cet effet, le ministre du cadre de vie et du développement durable a soumis un rapport circonstancié au Conseil des ministres qui en a pris acte. Sur cette base, le Conseil a ordonné 1. L'apurement au profit de l'ONAB par le repreneur de l'IBB-SA du solde débiteur de 1,270,885,599 francs CFA. 2. Le préfinancement par l'ONAB, à titre de règlement à l'amiable, des indemnités évaluées à 216,125,556 francs CFA aux travailleurs transférés à l'IBB-SA, cette dette restant à la charge du repreneur. 3. La finalisation de concert avec celui-ci de la relecture des documents contractuels consacrant la cession de la dite société et, en cas d'échec des négociations, la résiliation conformément aux textes en vigueur des actes de cession partielle de l'IBB-SA. Prix des produits pétroliers au titre du mois de juin 2019. En application du mécanisme d'ajustement, les prix à la pompe au titre du mois de juin 2019 sont les suivants. Essence, 560 francs le litre. Pétrole, 575 francs le litre. Gasoil, 580 francs le litre. Mélange, 640 francs le litre. Gaz domestique, 516 francs le kilogramme. Au titre des manifestations et rencontres internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la 40e session du comité du Codex alimentaire sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage à Budapest, en Hongrie, du 27 au 31 mai 2019. Au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. À la présidence de la République, directeur général de l'Agence des services et systèmes d'information ASSI, Monsieur Serge Laurent Adjovi, cumulativement avec ses fonctions actuelles. Au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche,
sur proposition du ministre, directeur général de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, M. Setondji Epiphane Rossou. Je vous remercie.